Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous informer que pour des raisons de droit d'auteur, je ne pourrais malheureusement pas illustrer cette vidéo comme je l'aurais souhaité. Mais cela ne vous empêche pas d'aller sur le net pour voir les plats qui vous intéressent. La gastronomie algérienne présente un grand nombre d'entrées, froides ou chaudes, accompagnées d'huile d'olive ou de citron. On peut retrouver des amuse-gueules appelés kemiya en Algérie, mais également en Tunisie. On retrouve des olives piquantes ou non préparées de différentes façons. On retrouve également des fèves préparées à la vapeur, consommées sans sauce, avec du sel et du poivre. Il peut être préparé de différentes manières. Ross Bratel, c'est un plat traditionnel algérien originaire de Constantine. On le retrouve également à Annaba et à Guelma. C'est un tagine de fèves fraîches et jeunes, épicé et parfumé à la coriandre avec un filet d'huile d'olive à la fin de cuisson. Les fèves peuvent être également cuites à la vapeur lorsqu'elles sont très jeunes. Elles sont émincées, puis écrasées par la suite avec du cumin et du sel. Les fèves sont préparées de différentes manières en Algérie. Les escargots. Très populaires en Algérie, cuisinés de différentes manières avec le zahtar et d'autres herbes aromatiques. L'hmis ou felfla. C'est une salade de poivrons grillés et de tomates émincées avec de l'ail. Elle est consommée dans toute l'Algérie. Dans certaines régions, on y rajoute des œufs et de la coriandre. Chouchouka. C'est une poêlée de poivrons, courgettes et aubergines avec des œufs par-dessus. Il peut y avoir également de la kefta. C'est une spécialité qui a été introduite par les juifs algériens et tunisiens. On la retrouve également en Turquie, sauf qu'il ne contient pas d'œufs. Zviti. Cette salade est originaire de Bousheda, à Msila. Elle se mange chaude. C'est une spécialité algérienne authentique à base de galettes de pain, de piment vert, d'ail et de tomates, parfumée à la coriandre fraîche et à l'huile d'olive. Le tout est broyé dans un mortier ou un mehrez. Cette salade se mange avec des couverts et des assiettes en bois. Hummus zitouni. C'est une entrée qui provient d'Adarar. Elle est à base de purée de pois chiches, d'huile d'olive, de citron, de miel, d'ail et de menthe. Torshi de Annaba. C'est une salade qui provient de Annaba, faite à base de carottes coupées en rondelles, d'olives et de légumes, tels que le chou-fleur, piment rouge et vert et courgettes. Kherdel. C'est une salade traditionnelle algérienne qu'on retrouve dans les régions d'Alger et de Blida. C'est une entrée sucrée salée à base de pommes de terre, de coing ou de navets, cuits dans de l'eau sucrée, accompagnée d'une vinaigrette à la moutarde ou au vinaigre. Nchouba. Une salade traditionnelle algéroise. Elle est composée d'anchois, de tomates, d'olives, d'ail, jus de citron ou de vinaigre, accompagnée d'huile d'olive. La danielle de Annaba. C'est une entrée originaire de Annaba composée de sardines cuites dans une sauce au thym, au laurier et à l'ail. Salade de mauve ou khoubiz. Équeutée et émincée finement, cuite à la vapeur puis écrasée, parfumée à l'ail, au cumin et pour certains avec du piment. Salade de pourpier, bakoul ou rejla. On utilise les jeunes tiges et les feuilles. Elle peut être cuisinée de différentes manières, en salade accompagnée de concombres, cuit en omelette ou cuit dans de l'huile d'olive. Il y a une diversité de salades incroyables, je ne pourrais pas tous vous les citer, mais n'hésitez pas à partager en commentaire en précisant la région. Kaldi. C'est une entrée de la région constantinoise que l'on retrouve surtout à Annaba. C'est un feuilleté farci avec des poivrons, du fromage, de la viande hachée ou du thon. Les bourreks. Un héritage laissé par l'Empire ottoman, farci de différentes manières et qui accompagne nos délicieuses harira. On le retrouve de différentes formes, en triangle, cigare, carré, notamment le bourek annabi qui est de grande taille, farci de pommes de terre en purée, mélangé avec de la viande hachée, des oignons, du fromage, du persil et un œuf cru, une spécialité originaire de la région de Annaba. Mghallef firlefou. Une spécialité originaire d'Alger. Une entrée très ancienne que malheureusement on retrouve très peu aujourd'hui en Algérie. Ce sont des cigares faits avec des feuilles de brique, farcies avec de la viande hachée et des œufs façon omelette, des oignons et parfumés à la cannelle.
Ces cigares sont arrosés d'une sauce épicée faite de pois chiches et de viande de mouton parfumée à la cannelle. Coca. C'est un plat traditionnel de la cuisine pied-noir d'Algérie. C'est un chausson qui ressemble à une pizza, garni de légumes et cuit au four, décoré avec une olive noire. Bourek al-Ajin. Une entrée traditionnelle originaire d'Algérie. C'est une sorte de bourek farci faite à base de pâtes brisées et non de feuilles de brique. Elle est farcie de viande hachée épicée. Marqouda. C'est une entrée que l'on retrouve dans tout le Maghreb. Ce sont des sortes de galettes de pommes de terre préparées de différentes manières, avec du thon, de la viande hachée, du fromage, etc. Koukla. C'est une entrée originaire de Constantine à base de viande. C'est une galette de viande hachée, de graines de couscous et de graisse de bœuf, parfumée à l'ail, coriandre, huile d'olive et piment, ou harissa. Doujab Belpsal. Une entrée traditionnelle algérienne, c'est une omelette aux oignons, à la menthe fraîche et graines de fenouil accompagnées d'huile d'olive. L'Algérie possède plusieurs soupes héritées de l'Empire ottoman et des autres civilisations. Nous retrouvons quatre grandes soupes nationales déclinées de plusieurs façons selon les régions. La chorba, la harira, le djeri et la chicha. Chorba traditionnelle. C'est une soupe au vermicelle et aux épices accompagnée de viande de poulet, de bœuf, de veau ou d'agneau, parfumée au céleri et à la coriandre. Elle est préparée de différentes manières selon les régions et les familles. Chorba Baïva. C'est une spécialité algérienne très répandue à Alger et Constantine. C'est une soupe blanche faite avec de la viande de poulet ou de la viande hachée, des vermicelles qui sont parfois remplacées avec du riz, lié avec un œuf. Chorba mermez ou chorba frik, une soupe originaire des Aurès, des régions constantinoises des plateaux sétifiens. C'est une soupe de blé vert concassé avec de la viande et des légumes. Chorba belhmem, chorba au pigeon. C'est une soupe algérienne peu cuisinée de nos jours. Le pigeon est braisé puis cuit dans une sauce à base de coriandre, persil, céleri, gingembre, garvi et safran. Chorba bahriya, chorba au poisson. Préparée autrefois par les corsaires, elle est composée de blé concassé, d'herbes aromatiques, de poissons spéciales soupe et d'épices. La harira. C'est une soupe très populaire dans les régions oranaises. Elle fut introduite en Algérie en 902 par les marins andalous. Cette soupe peut être enrichie en légumes puis mixée. Elle peut être liée avec de la farine ou du levain pour lui donner une texture plus épaisse. Elle est surtout consommée à Tlemcen et les régions oranaises, accompagnée d'un filet de citron et de bourek, un véritable délice. Le djeri. C'est une soupe originaire des Aurès et des régions constantinoises. Elle est faite à base de blé concassé ou frik. Elle est beaucoup plus liquide que la chorba, mais les bases sont les mêmes. Elle peut être en sauce rouge ou blanche, appelée djeri baïda. Elle peut être cuisinée avec des fèves sèches, djeri belfoul. La chicha, c'est une soupe similaire à la chorba, sauf qu'elle est à base d'orge. Elle se décline de plusieurs façons selon les régions. Chicha bzahtar, chicha au thym. C'est une soupe originaire de Tlemcen. Elle est à base de viande, de ras el hanout et surtout de zahtar et d'orge. À Tlemcen, on l'utilise surtout pour soigner les rhumes, les toux ou autres maladies. Dobara. C'est une soupe épicée originaire de Biskra, consommée à El Oued, Betna, Khanchla, Ain Mlila, Constantine, Djelfa. Elle est à base de pois chiches et de fèves arrosées d'huile d'olive. La Dobara est née avant la guerre d'Algérie, originaire des Ibans et des Aurès. Elle s'est étendue dans les régions algériennes jusqu'en Tunisie. La Babrosa. C'est une soupe ancienne de la ville d'Alger, venant de la période ottomane, à base de petits chaussons de viande hachée qui ressemblent au ravioli. La soupe peut être blanche ou rouge. Aliwat Izalfawen. C'est une spécialité touareg, originaire du Hogar et du Tassili. C'est une soupe à base de blé vert et d'orge grillé, sur du bois d'acacia ou des feuilles de roseau,
cuit avec du beurre de chèvre, de l'oignon, de l'ail parfumé à la camomille sauvage. Bouctouf, c'est un velouté traditionnel algérien, originaire des Juifs algériens. Il est fait avec des pommes de terre, des courgettes, des tomates et des oignons, parfumés à la coriandre et du jus de citron. Fitirachi, c'est une soupe originaire de la région d'Alger à base de petits cornets de pâte parfumés à la cannelle. Eouzan, ou tahrir, c'est une soupe originaire du Ksar de Boussamroun, qui ressemble à la hrira, sauf qu'elle est parfumée avec des plantes typiques de la région. Marka Harra, originaire de la Casbah d'Alger, c'est une soupe très piquante à l'ail, servie aux femmes qui viennent d'accoucher. Bissara, c'est un plat à base de fèves. Elle est originaire d'Égypte, il y a 4000 ans à l'époque des pharaons. Elle était connue des anciens Égyptiens sous le nom de Fouleya. Les immigrants égyptiens l'ont importé dans les régions du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Il est très populaire en Palestine. Elle se compose de fèves sèches et de pois séchés, avec un filet d'huile d'olive.